Qu'une maison, des rues très larges. Une sorte de zone industrielle à l'abandon. Hey, merci pour cette info, Nathan. Allez, qu'est-ce que tu vois? Tu veux juste me l'entendre dire, c'est ça? Mais oui, je veux vraiment te l'entendre dire. Ouais. Libertalia. Oh Libertalia, la grande utopie des pirates, la ville perdue légendaire, découverte plus de 300 ans plus tard par l'illustre Samuel Drake. Et son idiot de jeune frère, légèrement moins charmant, qui lui collait au train depuis la nuit des temps. Tu sais, j'ai toujours su qu'on ferait quelque chose de toi. Je sais pas si tu sais, mais j'ai déjà fait ça avant. Laisse-moi profiter de l'instant. Alors, par où on commence? Qu'est-ce que tu dirais de ce bâtiment là-bas? Oh, tu parles de celui avec les tours de garde? C'est ça. Justement, on devrait aller voir ce qu'elle gardait. Allez, c'est parti. C'est... Oh, wow. Oh, ça me laisse sans voix. Putain, bordel de merde, attends. C'est ça que t'appelles sans voix? Tu crois qu'il leur a fallu combien de temps pour construire tout ça? Des années. Des décennies, même. Comment est-ce qu'ils ont réussi à garder ça secret pendant si longtemps? C'est juste que cet endroit, sans parler du trésor, c'est quand même une sacrée découverte. Seulement Alcazar voyait ça comme ça. Tu peux pas te contenter d'admirer, non? Je suis trop demandé. J'admire, j'admire. Mais on a un objectif, t'as pas oublié? Ah ça, je vois pas comment je pourrais oublier. C'est tout ce que je voulais dire. C'est noté. Hey Sam, vise un peu ça. C'est une forge. Il
vais y fabriquer des coutelas. En garde, marin d'eau douce. Cool. Je faisais un pirate. Ouais, j'avais compris. Je voulais juste te faire... Je sais. Je sais. Tu ferais un très mauvais pirate. Tu penses qu'ils en vendaient à d'autres colonies ? Si c'était le cas, ils devaient le faire en dehors de l'île. Autrement, on aurait entendu parler de cet endroit. La vue est pas mal. Hey. À la tienne. Ouais, à la tienne. Qu'est-ce qu'ils faisaient ici? Qui ça, les colons? Ouais. Imagine que t'abandonnes toute ta vie pour suivre des criminels comme eux. Tu fais quoi après? Bah, tu sais, tu prends du bon temps. Mm. Tu te poses quelque part. Tu picoles avec tes potes. Franchement, il y a pire. Ouais, sûrement. Il devait quand même vivre avec la statue d'Avril. Ça t'arrive des fois de te dire que peut-être, si on avait fait d'autres choix, on aurait tourné autrement. Tu veux dire si t'étais devenu un vrai magicien? Non, ça c'était juste au cas où. J'étais très doué. C'était pas viable comme projet. Tu veux que je te dise, t'étais jaloux. Okay. Tu l'as toujours été. Non, mais je veux dire, à quoi pourraient bien ressembler nos vies si on s'était pas lancé à la poursuite de ces personnes qui ont vécu dans les temps anciens? Est-ce que tu crois qu'on aurait des vies un peu plus, je sais pas, ordinaire? Ordinaire. Tu veux dire, comme ces gens qui se réunissent autour d'un dîner à Thanksgiving pour se montrer des photos de leur roche. Un truc comme ça? Merci, mais non merci. Très peu pour moi. Les choix qu'on a faits me conviennent. Ouais. Ça me rappelle quelque chose. Tu te rends compte? On a énormément de chance. T'appelles ça de la chance? Ouais. Bon, évidemment, moi j'ai passé les 15 dernières années derrière les barreaux, alors tout est relatif. Là, tu marques un point. C'est vrai que c'est 1000 fois mieux que la prison. Bon. J'ai plus rien à boire. Le service laisse franchement à désirer dans ce boui-boui. Tiens, des os de chevaux. Ils sont encore attachés, comme s'ils avaient été abandonnés.
sais pas. Les gens sont peut-être partis précipitamment. Ou alors ils ont été capturés. Il y a un truc qui tourne pas rond ici. Qu'est-ce qui s'est passé d'après toi? Comment ça? Toutes les bonnes choses ont une fin, c'est connu. Tu sais, je plaisante à propos d'un trésor de pirates maudits, mais après avoir entendu toutes tes histoires... Ben, en général, la meilleure explication, c'est la plus simple. J'ai bien dit... en général. Hé, hey Sam, vise un peu ça. On dirait comme un code de conduite pour pirates. Je croyais que tout l'intérêt de cet endroit, c'était de vivre sans règles. Même les pirates ont leurs propres règles. Bien, on dirait qu'il y a un passage ou un truc dans le genre. Ça, il y avait des familles. C'est bizarre. Où est-ce qu'ils ont bien pu tous disparaître? On dirait qu'ils ont été enlevés.
Capitaine Avery, je me demandais quand on allait vous voir. Par ici, suis-moi. Hé, hey Sam, viens voir. J'ai trouvé quelque chose. J'arrive tout de suite. Oh, ok, je crois qu'on rentrera pas par là. Ça devait être une planque ou un truc du genre. Peut-être, mais de qui ils vous laissent cacher? D'eux-mêmes? Hé, hey, viens voir ça. C'est quoi ce symbole? J'en ai vu quelques-uns quand je venais te retrouver. Alors qui peut bien marquer ces endroits? Est-ce que c'est une sorte de sceau? C'est vrai, il y avait peut-être des problèmes au paradis. Une société secrète, des rebelles. Regarde ça. On dirait que c'est un plan du quartier commercial. Ouais, et... boum, voilà notre trésor, juste là. Tu vois, elle est là, la tour. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de préparer? Tiens, voilà notre sortie. Ok, c'est bon, on y va. Je vois de la lumière, là, au fond. Voilà notre sortie. Ok, c'est bon, on y va. Je vois de la lumière, là, au fond. J'ai trouvé le reste de la colonie.
aucune chance. Oh merde! J'ai un connard! Rien pour toi! Oh! Joli! C'est bon. Prends autant de munitions que tu peux. Il y en a sûrement beaucoup d'autres. D'après toi, c'est nous qui le cherchons ou le trésor? Connaissant Rafe, les deux.
Merde, d'autres types de shoreline. Direct que Gotterich avait raison. Ben, il était temps qu'on ait droit à une vraie paye. J'ai vu quelque chose. T'as trouvé un truc? Rien. C'est la merde. D'autres types de shoreline. Je dirais que Gotterich avait raison. Ben, il était temps qu'on ait droit à une vraie paye. Est-ce que t'en vois d'autres? Ou la voie est libre? Je pense que c'est bon. Tout va bien? Ouais, juste un peu essoufflé.
Allez, Sam! C'est stable, ce truc? Aussi stable que tout ce qu'il y a autour de nous! Oh, ok, alors non. Bon, bon, j'arrive. Qu'est-ce que c'est? J'avais jamais pu imaginer ça. Je te tiens, enfoiré! Ok, messieurs, on reste sur le qui-vive. Tout doit être super nickel pour l'arrivée de la bosse. Fais attention. Mmh.
Ok, messieurs, on reste sur le qui-vive. Tout doit être super nickel pour l'arrivée de la bosse. Thank you.
touche pas. Oh, je les vois. C'est terminé. Pour l'instant, on ferait mieux de pas moisir ici. Bien sûr. Allez, prêt ? Je suis prêt. Ok. À toi. Attention, c'est très haut. Ouais, je vois. Ok. Oh, oh, merde! Ouh! Attention à la première marche. C'est délicat. Ouais. L'échelle est cassée au milieu. On va faire avec. Continue de monter. Alors, tu t'en sors ? Il y a une sacrée vue. Encore un effort, Sam.
Fais-moi confiance et suis-moi, d'accord? Faire tout ça? Ouais, quelque chose comme ça. On doit être arrivé dans le quartier chic. Mais c'est pas résidentiel pour autant. Qu'est-ce que t'en penses? Un bâtiment administratif? Probablement. Peut-être que Libertalia avait un hôtel de ville. Ouais, peut-être. Et peut-être même qu'il payait des impôts. Qui sait? Putain de merde. Ils étaient donc là, nous savons comment ça arrive. Certains d'entre eux, du moins. Putain. Des canons, des barricades de fortune. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Sûrement un genre de bataille. C'était pas vraiment une question. La vraie question, c'est qui se battait contre qui et pourquoi? Certains de ces squelettes ont l'air mieux habillés que les autres. On dirait des soldats. C'était donc les colons contre les soldats. Et si le trésor se trouvait là-haut? Alors on dirait que quelqu'un était venu pour faire un retrait. Ouais, bah espérons que ce quelqu'un n'a pas réussi. Ouais.
c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vide. Évidemment. Tu crois que c'est Rafe ? Non. Ça fait des siècles que personne n'a mis les pieds ici. Ok. Bon. On cherche des indices ? Ouais, on cherche des indices.